On prend une boîte contenant un capteur et reliée à un ordinateur. On tape dessus, ça lance une boucle sonore. On tape à nouveau, ça l'éteint. La boîte est un instrument. Avec plusieurs boîtes, on a un groupe. C'est simple, mais pas si facile. Est-ce que vous pouvez me décrire le son du sitar ? Merci. Alors, on entend quelque chose de très aigu dedans. On entend quelque chose de très aigu dedans. On entend de très rapide. De très rapide. Voilà, les mots, vous voyez, quand on pose son oreille, tout d'un coup, les mots, ils arrivent tout seuls. De très lent, de très fort, du bois, je suis d'accord avec toi, du métal, du bois, du métal. Tiens, c'est marrant. Avec quoi il est fait notre instrument ? Du bois et du métal. Donc on ne s'est pas trompé. Ce qui est important avec les boîtes, est-ce que c'est de jouer tout seul ? Non, à plusieurs. C'est de jouer à plusieurs. Ça veut dire qu'il faut s'entendre, qu'il faut travailler ensemble. Et qu'il faut s'aider aussi. S'aider. Et alors ça, c'est bien joli ce que tu me dis, mais comment je fais moi pour pouvoir te respecter C'est quoi les outils qu'on a ? Les oreilles. Les oreilles ? Pour s'écouter. Bouche. La bouche. Pour se parler. Pour se parler. Les yeux pour se voir. Les yeux pour se voir. Les signes pour communiquer sans couper la musique. Exactement. Ah ben en piste alors. Arsène, je veux un morceau avec un début où il n'y a pas de son et une fin où il n'y a plus de son. C'est toi qui crée le morceau, d'accord ? C'est toi qui choisis. Est-ce qu'on entend les tablas ? Oui. Sûr ? Oui. Tu les entends ? Il faut entendre si tu veux. Alors, Joachim, il n'est pas tout à fait sûr.